Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais manger du riz avec du poulet sauté et du bread. Avec ça, je n'ai plus du tout mon piment, mais par contre, j'ai de la pâte de piment frit. C'est quoi ça? De l'eau. Alors, je vais commencer par m'en mettre un peu partout. Et en boisson, j'ai du jus de litchi. Look. Ah là là. Il fait déjà un peu sombre, mais bon, c'est pas grave. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Aujourd'hui, pas de shout-out, pas de courrier du cœur, juste moi qui vais manger et manjailler. Je vous ai filmé un bout de la... Enfin, une partie. Ouais, toute la recette, en gros, pratiquement. Et ce sera dans le vlog de... dimanche. Regarde-moi ça. C'est beau. Alors, est-ce que c'est bon, les enfants? Oui. Heureusement, c'est bon. Ils ne voulaient pas faire la vidéo, du coup, bah, je la fais toute seule. Mais mange la même chose. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Alors le bread, ça fait comme les épinards. Genre tu coupes, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et quand tu mets dans la marmite, il reste pratiquement plus rien. Parce qu'en gros, il perd toute son eau. Alors, j'ai reçu déjà une partie de mon partenariat Timou, mais il faut que j'attende d'avoir tout le reste du colis, donc c'est-à-dire bah, demain, je crois. Mais ce qui est chiant, j'ai remarqué avec la poste, quand ils viennent livrer ici chez moi, ils viennent livrer très tôt, genre à 8h35 et 8h40. Il livre. Sauf que c'est à ce moment-là que je pars de la maison pour aller déposer les enfants à l'école. Donc il y a de fortes chances que demain, donc je vais positionner, il y a de fortes chances que demain, bah, le livreur passe, que je ne sois pas là, qu'il me mette un mot d'absence dans la boîte aux lettres. Et que bah, je me retrouve à attendre genre jusqu'à vendredi ou samedi pour pouvoir récupérer mon colis. Dans un point relais. Alors ça, le bread, il a un petit côté poivré. Un petit côté, un bon gros côté même, je dirais. Et je sais pas, c'est bon. Avant, c'est vrai, il détestait ça. Moi aussi. Mais en grandissant, on apprend à l'aimer. C'est trop bon. Et tout le jus que vous voyez là, tout le jus là, attends, je l'aime un peu assez. Tout le jus là. J'ai pas rajouté d'eau, rien. C'est le bread qui crache son jus dans la viande. Et il n'y a pas besoin de le faire revenir longtemps. Genre, une fois que ta viande est cuite, tu mets ton bread, tu tournes genre, 3 minutes à peu près pour éviter que ça colle, tu éteins le feu, tu fermes le couvercle, et l'effet, la magie opère. Le bread a tellement chaud qu'il transpire. Et perd tout son jus. Donc pas besoin d'ajouter d'eau. Ça, même ça, sauter juste avec un peu d'ail, avec le... Juste sauter avec un peu d'ail et des oignons,
de la viande, genre des grosses saucisses. Grosses saucisses dures, la façon là. Grosses saucisses grillées à côté. Le bread sauté avec de l'ail, des oignons, un peu d'huile. Tu mets ça dans ton assiette avec du piment là. Ouais. Je suis en train de baver sur un plat alors que je suis en train de manger un autre plat. C'est l'effet bread. C'est trop bon. Mais bon, je suis un peu gourmand. Hein. Avant, je détestais ça. Finis de manger d'abord. Cheers. Ça, c'est hyper glacé, c'était au frigo. Et ça, c'est hyper chaud. On voit encore la fumée, genre. Ça sort du feu. Donc, ça me fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et mes dents disent non, 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 non. C'est bien. Le poulet là, le filet de poulet, je voulais le garder pour faire un poulet au curry et faire en vidéo. Mais j'ai bien fait de le faire avec le bread. C'est bon. Regarde tout le bread. C'est bon. Je ne vais pas arrêter de dire c'est bon. Et venez pas vous plaindre de mes J'ai vu des commentaires passer qui se plaignent de mes Genre dans une vidéo, je crois que j'avais tellement kiffé le plat que j'arrêtais pas de faire t'es trop bon. Et j'ai vu des commentaires passer dire la vidéo elle est bien mais trop de J'ai pas pu supporter tous les Si vous aimez pas les il suffit de fermer la croix. Fermez la vidéo. Parce qu'avec moi les là, c'est une preuve que c'est bon. Oh là là. C'est bon. Ça remplit bien le ventre. Ah, c'est bon? Bon. En vrai, c'est vrai. Hein. Ça cale le ventre très vite. C'est bourratif. Je vais m'arrêter là. Je trouve vraiment ça avoir le ventre hyper plein. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. Là, t'aimes trop tes os. Je kiffe mes os. Regarde ça, là. Regarde ça. T'en kiffes. Je les kiffe. Ils sont beaux. T'avais comme ça.